Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler de résines fossiles qui sont aussi utilisées dans le chamanisme amérindien. J'ai nommé l'encre que je vous montre au début. On va voir si à la lumière, mettons, ça va chercher des. Je ne sais pas si vous pouvez voir, mais comme on voit mieux sans la lumière. Est-ce que ça brille, que mettons, c'est comme argenté, puis il y a différentes gammes de couleurs qui brillent là-dedans. Là. J'ai médité avec ça. Avec ça ici. Ça, c'est une ammolite. Comme vous pouvez voir, c'est en deux morceaux. Ça vient comme ça. Puis on les met dans le front ici, comme, en haut, là. Puis on relaxe. Puis, idéalement, comme mettons, moi, j'étais couché, puis j'avais comme le nacre comme sur le chakra soma. Ça, l'ammolite, c'est un coquillage justement qui s'est fossilisé, puis c'est une pierre feng shui avec les sept couleurs feng shui supposément. Qu'est-ce que j'ai d'autre dans le même genre? J'ai l'agate turritelle. La turritelle, c'est une résine fossilisée d'escargots, de petits escargots marins, genre. Puis ça donne ça, genre. On va regarder avec la lumière si, mettons, j'ai plus de. On voit pas grand chose pareil, mais c'est comme mantelé de blanc et de gris. On dirait qu'il y a des petits mollusques dedans. Ça, c'est nouveau, ce que j'ai de nouveau aujourd'hui. Je vous aurais montré l'ambre, je vous ai déjà montré l'ambre. Ça rentre dans les fossiles, les résines fossiles. Je trouve que c'est bon pour le moment. C'est tout ce que j'avais à vous montrer. Puis c'est tout.